yo, ménestraleurs, ménestraleuses. Je vais vous conter la douce et belle histoire de l'homme à ton masque de fer. Dans les années bissextiles, au temps des loups et des renards, à l'époque des visiteurs de Jean Reno, tout ça, vivait dans un château balèze. Mais non, Jamel, fort. Fort, dans un château fort balèze, un couple de jeunes jumeaux. Du nom de Romain. Je m'échappe. Nous allons les appeler Pif et Hercule pour qu'on s'en rappelle. Pif était prédestiné à un destin de roi. Hercule était prédestiné à un destin de paroi. Il rira bien qu'il rira vers la fin, de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais. Hercule avait vraiment les boules graves, parce que comme il n'aimait pas trop son... Vous allez comprendre. Oh, mon beau roi, que vous êtes beau, que vous êtes joli. Vos affaires, ils sentaient bon du parfum. Moi, mes affaires, ils sentaient du pu. Mais je n'ai rien à foutre. Mon beau roi, mon père qui est en bas dans la cellule 14, il a dit que vous venez le rejoindre tout de suite maintenant. C'est très important. Mais notre père est mort pendant la guerre du Golfe, tu le savais? Ah si, je le savais. Si, bien sûr, je le savais. Mais si, j'étais au courant. Mais si, il est même mort contre ceux qui l'ont tué, là, les autres. Oui, oui. Oh là là, mon bon roi, que vous sentez bon du parfum, j'ai oublié de vous dire. Quoi? Il y a une bombe qu'avec des nénés grands comme ça. Non. Elle a dit que vous voulez la rejoigner en bas de la cellule 14 pour que vous allez lui faire des bisous. C'est pas vrai. Je vous jure, c'est vrai. Une bombe. Oui. J'ai gagné. Oh yo yo! Hercule était parvenu à ses fins en faisant enfermer son frère Pif, en lui mettant un masque de fer de Pocahontas sur la gueule pour que personne ne le reconnaisse. C'était bien là un plan crapuleux, scrupuleux, méticuleux, enfin le vieux. C'est con, un plan de salaud, ça fait pas quand même. Si j'avais l'autorisation de Bruno Gaston, le patron, j'aurais dit un plan d'enculé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment un plan d'enculé, ça se fait pas, c'est un plan de. De chaîne de. Je suis le roi, je suis le roi! Mais il manque quelque chose quand même! Là, je suis le roi! 10 ans étaient passés, jusqu'au jour où le pif roi réussissèrent à sortir de sa cage. Grâce à des petites souris qui se transformèrent avec une citrouille, qui se transformaient en carrosse. Et sa mère reine, elle lui avait dit qu'il la ramène avant minuit, sinon tu vas... Je pars en vrille, là, je confonds avec Pinocchio. Et ça me chauffe de toute façon. Je suis le roi, et grâce à mon nouveau shampoing, mes cheveux, ils font comme ils veulent. Je suis de retour. Comment t'es sorti? On m'a confondu avec Cendrillon. Mais l'estrelle, le troubadour, je m'intime, Scapin, Molière, tous, venez, il y a un imposteur qui s'est fait exprès d'être le masque de Pocahontas. C'est toi l'imposteur? Rends-moi mes cheveux. Non. Rends-moi mon trône. Non, de toute façon, à Versailles, j'ai fait changer les serrures.